Cameroun, Assemblée nationale, le RDPC en deuil. La députée Brigitte Meband est partie. L'ancien président de la section RDPC Union Centre 3 est décédé des suites d'une maladie le dimanche 27 novembre. L'Assemblée nationale camerounaise est toujours en deuil. Ce dimanche, l'adjointe du Union, l'estimée Brigitte Meband, épouse Abdoul Baghi, a définitivement déposé ses attributs. Son décès survient alors que ses collègues au Parlement sont occupés par les travaux de la dernière session ordinaire de l'année 2022. S'il n'y a pas encore de communication officielle à ce sujet, toutes les tribunes de la région de l'Est sont stupéfaites par cette triste nouvelle depuis hier. Sur les plateformes WhatsApp et Facebook de Union Actualité, Tam Tam de l'Est, KD Infonet, des images des désormais déplorés élus du peuple circulent. Très connue dans le milieu du football camerounais, l'honorable Brigitte Meband a été vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, sous Zia Mohamed. Ancienne présidente de l'Union sportive d'Abombang, elle a été candidate malheureuse au poste de présidente de la FECAFOO en 2015. Militante du parti au pouvoir RDPC, Brigitte Meband était bûcheron et députée à l'Assemblée nationale. Décès en cascade en 2014, elle est nommée au Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République Paul Biya. Avec sa mort, la liste des délégués réguliers du RDPC disparus ne fait que s'allonger pendant quelques années. En 2020, une douzaine de députés du parti au pouvoir sont passés de la vie à la mort. Parmi eux, l'honorable Yacouba Yeya, RDPC du Mayotte Sanaga Sud, région de l'extrême nord, 13 décembre 2020, le député. Prince-Ange Gilbert Mikodi, RDPC, Bumba et Ngoko, région de l'Est, 24 mars 2021. Le député Djibril Kaou, député RDPC du Mayotte Sanaga Sud, région de l'extrême nord, 13 février 2021, et honorable Fadimatou Sango, député RDPC, Mayoré dans la région du Nord, 20 mars 2022. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.